Samir, c'est bon, j'ai mis en route, tu peux commenter et tout ça. Comment ça par le fantaisiste ? Vas-y, j'ai mis en route là, il y a le son et tout ça. D'accord, nickel. Je prépare, je vous prépare ma... parce que je vais gueuler là. Ça. On est là pour voir en même temps. On a fait des barres, et je vais rentrer. Bon, il est où mon assistant ? Il est là. Il est là. Vous avez rien. Bon, bah, j'ai, on marque là. On marque. Hein. Ils sont où ? Mais vas-y, marque les buts déjà. Allez, je marque les buts déjà directement. T'as pas le droit de sortir du terrain. Alors là, il n'a pas mis 1, 2, 3, 4. Ok, comme ça. L'équipe. Et l'autre équipe, c'est comment ça marche ? Je sais pas. Non, là, le terme, vas-y, viens. Qui est remplaçant ? C'est le numéro 7. Donc, le dernier match donc, de l'après-midi, le duel tant attendu entre Bagé et Vaucresson, avec la composition d'équipe de Bagé avec Tarzan au goal. On a Baud, Yo, ainsi que en face on a donc Fatalus, Gianluigi Russo, Baptiste, Jonathan. Le dernier match donc de l'après-midi sur ce tournoi spectaculaire de foot fauteuil. Non, je vais à fond, c'est le dernier match. Coup d'envoi donné par monsieur Jean-Philippe Patulacci, gardien de la paix, et aussi arbitre à 16 heures perdues, incorruptible. Attention, la tension est à son comble, il y a des joueurs féroces du côté de Bagé, notamment Baud, dit le Francesco Totti de Ronald, avec Tarzan, le Higuita de Bagé, et ses sorties spectaculaires. Poupou, le jeu fantasque. Attention, coup d'envoi donné par Vaucresson. Tout de suite, Baptiste pour Fardaous. Ouais. Tout de suite, attaqué par Yo. Allez. Intervention de Baud, le joueur super technique, le libéro. Attention, qui peut se faire avoir par la roublard de... Fardaous qui n'est pas impressionné par l'expérience de Baud, qui récupère les ballons, qui va en découdre tout de suite. Baptiste, un superbe duel au milieu de terrain. Baptiste, voilà. Baptiste, regardez-le qui joue à Baud, qui est très souple. Attention, Baud qui peut se faire avoir. Oh, la faute de Baptiste, qui est très très doué techniquement. Baud qui récupère les ballons, qui sonne la charge. Attaqué par Farda, attention. Fada qui... Oh, attention, Baptiste. Ah, sorti. Superbe sortie de Tarzan. Tarzan qui commande et qui saute jusqu'au terrain. Et qui désenseigne l'équipe de Vaucresson avec son maillot fluorescent et sa queue de cheval. Digne de Mathia, le roi des arts. Et attention, Fardaous qui part sur le côté gauche, qui perd le ballon. Baud qui est un jeu très souple, qui est très élégant, balle au pied, qui est non sans rappeler Francesco Totti. Souvenez-vous, la Panenka en l'an 2000 contre les Pays-Bas, un geste technique de très grande classe. Popoul, attention, qui s'est passé le ballon. Baptiste, Popoul qui est là, qui est concentré, qui attaque Baptiste. Oula ! Qui attaque, qui n'a pas peur. Baptiste qui part, bien sûr. Allez, Baptiste, et oui, la balle qui sort en touche. Des joueurs vraiment bien placés.
Alors d'ailleurs à côté de moi j'ai Omar Da Fonseca qui a fait le déplacement. Omar, un petit mot. Oui, c'est vrai que là, les joueurs de Bocrossong sont bien placés. Et aussi nous avons les joueurs de Bagé qui n'ont pas peur. Regardez la technique de Bob, vraiment qui n'a pas peur, qui me rappelle Ariel Ortega. Merci, merci Omar. Et donc tout de suite, Poupoule qui attaque le ballon. Un tombeau bâton qui suit très près de par l'attaquant Fardaous. La balle qui sort en 6 mètres. Gianluigi Russo qui met en place son équipe. Bravo. L'arbitre d'ailleurs qui était soufflé par ce rythme, c'est un petit peu normal. Il a oublié le stage de pré-saison à Chine. Et ça se sent sur le terrain tout de suite derrière Poupoule qui attaque. Poupoule qui attaque, qui est serré de très près par Fardaous. Et oui, d'ailleurs les supporters là-bas sont subjugués par la technique en mouvement de Poupoule. Ils n'ont pas vu ça depuis Robinho. Regardez, d'ailleurs Poupoule qui prépare. Attention à la provocation de Yo, de Jonathan sur Yo, mais qui ne se laisse pas avoir. D'ailleurs Yo qui a joué plusieurs derbies en Allemagne, hein, il a quand même fait ses classes au Bayern Munich. D'ailleurs, voilà, avec Karl-Heinz Rummenigge pour ceux qui s'en souviennent. Sa calvitie puissante et ses cuisses musquées. Tout de suite à l'intervention de Jean-Louis Rousseau. Poupoule qui donne des indications à beau de joueur très élégant, mais qui parfois peut sortir du match à tout moment. Yo qui est bien placé. Superbe. Et oui. Bravo, je ne l'arrêterai jamais, mon cher Emeric. J'ai le remplaçant Emeric qui a fait ses heures, ses classes à la Juventus de Turin. Et on lui a dit que le foot fauteuil c'était un sport d'athlète. Et ça rencontre la regarde de Baud, bien sûr. Heureusement qu'il y a les commentateurs à côté de moi. Attaqué de très près par Jonathan Baud qui lâche pas l'affaire. Ah, le mot du capitaine avec pas mal de sponsors. Attention, Poupoule aussi qui est là. Attention, alors c'est un match de très très haut niveau. Qui va gagner ce match? Je pense que la première équipe qui va marquer prendra un ascendant sur la partie. Regardez, hop, intervention de... Hop, pas de corps. Fardaous qui est suivi très bien par Poupoule qui ne lâche pas d'une semelle. D'ailleurs, Poupoule qui derrière moi a été contrôlé positif à la Vendrolo, mais il a bien évidemment donné un petit billet à l'arbitre. Et nous avons vérifié, c'était un ticket resto, Poupoule, un sacré roublard. Allez, on continue, Tarzan qui met en place. Tarzan qui regarde d'un œil, d'un regard noir sur son équipe. Attention, Fardaous, Poupoule qui se fait bousculer par Fardaous. La joueur attaquante, oh, superbe action de Poupoule, regardez. Eh oui, Poupoule, eh oui, c'est ça. Eh oui. La prise de confiance tout de suite, Gianluigi Russo, le gardien. Regardez-le. Quel athlète qui sourit à la caméra ici qu'on le regarde. Mais oui. Toujours 0-0. Attention, Baptiste qui peut préparer le coup franc, qui peut tirer. Oh, superbe action de Baptiste avec une très belle trajectoire qui nous fait rappeler André Pirlo. Souvenez-vous, le superbe milieu de terrain de la Juventus de Turin à la barbe bien soignée. Alors, tout de suite, nous avons Baud d'ailleurs qui est là, qui temporise, Tarzan aussi. Qui est en forme à côté de ce poteau, qui n'entend pas les supporters, les insultes des supporters adverses. Il s'en fout, il est prêt, il est habitué à pire. Ah, intervention, ah, c'est un match très serré, attention. Et oui, bien joué, et oui, Baud, et oui, il a du métier, mais oui. Ah, la but qui siffle, et oui. Deux contrats. Donc, mon assistant joueur, Emeric. À la coupe au gel, bien soigné, Vibeldop, sponsor du club. Alors donc, tout de suite, mais oui, la passe pour Fardaous. Super battu Fardaous. Et Jonathan Fardaous. Et oui, la petite attaquante qui nous a rappelé Lionel le Messi à ses grands heures. Et Jonathan, le vieux briscard de l'attaque, qui lui donne une belle passe, bien soignée. Mais attention, attention à Bagé qui peuvent riposter à tout moment.
On se souvient de la fabuleuse remontada contre le RC Leipzig en 1992. Souvenez-vous. Attention, Poupou qui se lâche. Poupou le qui joue son batou. Ah oui, Poupou et oui. Poupou le qui est demandé par Manchester City, mais Pep Guardiola hésite à le recruter car il aime un peu trop la bière et les pubs de Manchester City qui attendent son arrivée avec impatience. Mais le salaire de Poupou le mirobolant, d'ailleurs une sombre histoire avec son agent. Poupou le qui attaque Jean-Louis Giroussot, le gardien de Vaucresson. Oui, regardez, il est bien sur les appuis. Allez, oui, Poupou le qui attaque. Il sait qu'on est en guerre, Poupou. Il sait, attention, Poupou qui se rend pas. L'intervention de Baptiste Chupin, le milieu de terrain de Vaucresson. Et qui attaque, et oui. Super action de Baptiste qui a sauvé son équipe car Poupou le sait qu'il joue son va-tout ce soir. Et oui, Bocquet sorti le ballon. Et oui, oui, Poupou qui a failli marquer. Une superbe action. Bien sûr. Attention. Ah, c'est bien. Bravo. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et oui. Et oui. Ferdaous qui joue des coudes pour empêcher la relance. Ce fabuleux de Poupou, bien sûr. Et là, qu'on a Baud qui prépare son. Eh oui, la passe. Une belle passe en profondeur pour son attaquant. L'interception de Jo. Jo qui a été élu joueur le plus élégant. Elle est testée. Eh oui, on l'a fait par un vieux briscard comme Baud. Eh oui, on se souvient de ses duels après la Lazio de Rome. Eh oui. Attention à Yo qui s'est fait oublier. Yo, le joueur, le petit joueur très très malin de Bagé qui s'est oublié mais qui s'est surgir tel un cobra à la forêt de Fontainebleau. Et tout de suite, là nous avons Baptiste. Alors là, le duel est vraiment exceptionnel. Baptiste contre eux, vraiment, c'est du très très haut niveau. Qui va gagner à l'exception de la sortie de Tarzan. La sortie hasardeuse de Tarzan, et heureusement, elle a été sauvée par la précision un petit peu aléatoire de Jonathan, qui à la mi-temps n'a pas bu que de l'eau. Et forcément, sur le terrain, ça se voit un petit peu. D'ailleurs, on voit Yo qui apprécie la blague du commentateur. Et oui, Yo, c'est comme ça. C'est ça le foot. Alors, attention, problème technique pour Maud. Ah, il plante avec l'arbitre. Et oui, et c'est normal. Et ceinture abdominale, quel superbe athlète ce Maud. Tout de suite. Voilà. Et oui, qui amène le ballon, notre cher ami Popoul. Baptiste pour Maud. Maud interception, Baptiste. Maud, Baptiste. Ah oui, là, c'est du très haut niveau. Les deux là. Il se rend de la jeunesse, la foule de Baptiste. Attention, Poupou qui a failli marquer, mais devancé par la sortie de Gianluigi Russo. Attention, Ferdaous. Ah oui, Beau qui est là, le vieux briscard. Et bien sûr, on ne le fait pas, c'est normal. La jeunesse contre l'expérience. La classe contre la fougue, c'est beau. Une action à montrer à toutes les écoles de football. Voilà. Superbe passe pour Gianluigi Bosso. Ah, attention, contre le contre des masses de Vaucresson. Récupération de Vaucresson, attention. Et oui, donc Jonathan qui récupère le ballon, qui peut à tout moment marquer lui aussi. Mais c'est plus un joueur altruiste. Ah, contre des masses. Et oui. Ah, les briques, que se passe-t-il, les briques? Il y a deux contre 1. Deux contre 1, et oui. Comme le dit Patrick Bruel, deux contre 1, il m'a eu. Quelle flèche royale, Patrick. Alors attention au coup franc du majestueux Baud. Attention. Il en a marqué des pas mal à l'entraînement. Il se prépare. Oh, et oui, interception de Fadarous qui a eu la trajectoire. Le contre. Bien joué, Baptiste. Et oui, ils affectionnent ça. Eh oui, le jeu en triangle. Hop, oh, ça joue tout de suite. Et oui. Ah là là, ça commence à aller vite hein, pour Bagé en face là. Eh oui, il faut tourner le ballon. Ils adorent ça. Ah là 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 là. Jeu en mouvement, le jeu en passe de Vaucresson. Qui n'est pas sans rappeler les grandes heures du FC Barcelone. Avec Deco, Ronaldinho et Eto'o. Quel sacré joueur. Alors tout de suite. Eh oui, le pressing terrible de Jo. Tarzan qui ferme l'angle, Tarzan qui n'a pas peur. Et oui, la passe, et oui, l'interception de Baud.
Ah, le duel que se livre Baptiste Hébeau. Hop, et de toute beauté, Tarzan qui sort. Oh, Tarzan qui joue avec le feu. Allez, encore. Attention, qui joue avec le feu. C'est brûle, Tarzan, attention. Baptiste, ah là là là, Baptiste, face à son adversaire du jour. Bon, qui ne lâche pas une semelle. Bon, qui l'amène sur son côté droit, qui le bloque. Ballon en sortie. Ah, Pierre qui parlait, ballon au bout. Et oui, bravo. Je attends qu'il attaque. Ah oui, superbe sortie de Tarzan. Je attends qu'il ne lâche pas l'affaire. Bout qui ne lâche pas une semelle. C'est un superbe duel que se livrent les deux hommes. Hein, vraiment, ils se rendent coup pour tout. Regardez ça. Bravo. Attention, Bout qui est toujours là. Et oui. Et oui. Ah, et oui. Il a trop attaqué, attention à ne pas jouer sur les chevilles de l'adversaire au petit jeu. Attention, le coup franc extrêmement dangereux joué par Baptiste. Attention, il peut marquer directement. On l'a vu. Et la belle passe. Attends. Oh là 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 là, l'accélération de Yo. Et oh là là, Gianluigi Russo qui joue avec pour le gardien. Allez les blancs, c'est bon ça. Eh oui, Yo. Eh oui, il a du métier. Bien sûr, il sait se faire oublier. Mais quand il attaque, il fait, ben attention. Il n'a pas. Hop. Directement. Oui. Et oui, tactiquement, ça manque quelques petits réglages. Mais en même temps, c'est ça les gars. Allez, Baptiste. Attends, elle n'est pas placée. Et oui, ça va trop vite, Baptiste. Pour Fardaous, justement, devant Yo. Fardaous qui arrive devant. Qui est... Attention, qui peut surprendre le but. Mais. Baud est très malin. Attention, les supporters commencent à s'impatienter. Il faut une égalisation. Ils sont quand même chez eux, mais Vaucresson n'a pas peur de l'adversité. On se souvient de ce match à Belgrade devant 25 000 supporters yougoslaves enflammés. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont pris leur responsabilité. Tout de suite, Baptiste qui prend le ballon. Tout de suite, devant Yo, regardez cette technique en mouvement. Baud qui ne se fait pas dribbler. Baud qui n'abandonne pas. Et oui, un peu trop lancé par sa fougue. Ah, attention, ballon pour Bagé. On peut admirer la technique de l'arbitre écossais. Ah, Baud qui se prépare, attention. C'est un superbe coup à jouer pour Bagé. Poupoul qui sait être très prêt par Ferdaous. Et superbe fat de Poupoul, et oui. Ballon pour Ferdaous qui attaque devant Baud. Et oui, attention à Baud, qui au fond est au bout là. Voilà, allez. C'est bien. Oh là 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 là, Baud qui peut se ramasser par la petite attaquante. Poupoul qui vient, l'embuscade qui vient en renfort. Elle est là, elle se bat au milieu de terrain. L'attaquante de Vaucresson. Et oui, il donne du fil à retordre au vieux briscard de Bagé. Mais qui n'abandonne pas, qui ne se laisse pas faire par la jeune attaquante. Bravo. Et oui, oh là là, les actions Baptiste. Et oui, oh là 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 là, Yo qui craque. Et oui, attention, milieu de terrain, attention au Baud. Et oui, Baud, la relance de Baud, attention. Superbe reverse de Baptiste. Attention. Bravo. L'attaque, voilà, le milieu de terrain, la lutte âpre entre Jonathan et Baud. Il se donne coup pour coup, il n'abandonne pas. Attention, le placement en perso aux appuis. Bravo. C'est bien Gérard, c'est bien, bravo. Attention. Oh là 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 là. Il suit de très près par l'attaquante qui n'hésite pas à donner de sa personne à la Edison Cavani des grands joueurs. Bravo. Bravo. Ah, attention à Baud. Ouh là là. Ah oui, elle adore ce genre de dribble, mais Baud qui ne se laisse pas faire. Et oui, attention, Baptiste qui est là. Attention à Baud qui donne trop sur le terrain, qui peut se fatiguer, qui défend, qui attaque, qui donne. Mais à un moment donné, attention à Baud, va-t-il tenir ce rythme-là tout le match? Tout le public retient son souffle car vraiment il donne beaucoup. C'est un exemple d'abnégation de courage. Eh oui, Baptiste qui est là, Tarzan. Deux. Attention. En place. Voilà, la nuit commence à tomber. Du côté de Bourg-en-Bresse, et les supporters sont bien au chaud. Attention au coup franc direct. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui.
Baud a tenté le coup franc direct, il a été arrêté par Baptiste au dernier moment. Il n'a pas frappé assez fort en même temps, mais c'était bien joué quand même. Yo, eh oui. Allez. Eh oui, technique, petite joueuse. Et heureusement que Baudela qui va au gras de café de Colombie. Alors, tout de suite, on a aussi Baptiste qui est là. Il est jeune, mais un jeune plein d'avenir. Ah, Baud aussi qui est là, qui veille au gras aussi. On a Yo qui se fait un petit peu oublier. Mais bon. Ah, voilà, superbe frappe de Jonathan Izagui. Ah, Ferdaouz, attention au dribble, attention au tour de rat. Parce que la joueuse est extrêmement technique. On se souvient de sa feinte de corps magistrale contre Rouen, où elle a laissé sur place son vis-à-vis. Oh, son vis-à-vis, pardon. J'en perds mon latin. Baud, Tarzan, la sortie musclée de Tarzan. Non, un peu. Oh, Attends, bien joué. Dommage. Superbe action, bien construite de Vaucresson. Bien joué, Tarzan. Et oui, Tarzan qui veille au gré. Mais attention à Tarzan, attention. La balle était hors de portée, mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Alors, d'ailleurs, une ambiance digne de l'opéra. Vraiment, on s'entend parler. C'est quand même, on m'avait prévenu que le public de Bourg-en-Bresse était assez chaud et virulent. Eh bien, pas du tout. Alors. Alors, hop, voilà tout de suite, bravo. Ah, et oui, je l'attends. Eh oui, quel joueur élégant, quel joueur technique, regardez. Il repart en arrière. Eh oui, Poupoule. Poupoule, là, qui a baissé un peu le pied. Poupoule, là, il faut qu'il retrouve des couleurs. Hein. Attention, on court sur lui. Voilà. Il est surveillé quand même par Manchester City. Bravo, c'est bien. Interception de Ferdaouz. Poupoule qui est là. Il joue son bateau, Poupoule, on sait très bien. Son agent Mino Rigola, l'agent italien qui a misé pas mal sur Poupoule et qui sait qu'il peut se faire un masse de pognon. C'est normal. C'est le football en même temps. Baud, le santé de Gianluigi Russo. Attention, il y a un moment de flottement quand même sur ce match. Il y a un fou rythme qui s'installe. Attention, heureusement, quand l'attaquant Ferdaouz qui part en contre-attaque, justement, qui part avec le ballon suivi de très près par Baud. Eh oui. Eh oui, attention. Bravo. Ah là 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 là, attention, Baptiste. Hop, Baptiste. Oh, olé. Lionel, vous êtes deux. Eh oui. Poupoule qui commence un peu à s'impatienter, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, on a Baptiste qui. Ah, eh oui. Ah là là. Attention. Le choc entre Poupoule et Jonathan. Le public retient son souffle. Que se passe-t-il? Ah. Aïe, aïe. Attention. Ah. Poupoule là qui. Voilà, son coude qui le fait mal, hein, c'est. Allez. Bravo, la petite talonnade, bien joué, Baptiste. Attention à Poupoule là qui. Nous espérons que sa blessure ne soit pas trop grave, ça serait quand même dommage pour le jeu. Eh oui, Baptiste. Attention à la passe. Eh oui, oui. On demande de changement. Poupoule qui. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Quel joueur superbe que ce Poupoule. Et oui, attention à l'entrée de Maxou, le jeune joueur issu du centre de formation. Combien de minutes? Ah, dommage pour Poupoule qui. 11 ans, le petit Max. Alors, 11 ans, le petit Maxou qui sort tout droit du centre de formation du Torino. Attention. Hein, un joueur élégant, Maxou, un jeune joueur qui met donc qui fait ses premiers pas dans le football international de très haut niveau. Hein. Attention. J'ai pas le temps. Oh, encore un direct. Attention. Et c'est la 8 ans. Dans le match. Ouais, tu nous fais rire. Ça, tu nous fais rire. Ouais. Mais on va se marrer quand on va regarder. Oh, ben, je vais pleurer de rire. Je continue. On voit, hein. Bon, je m'en vais. Tu vas y trouver où tout ça parce que... Ah, mais Van, là, mais moi, je suis un fan de foot et j'aime bien les blagues.
Alors du coup, je vais vendre à fond. Ah, j'aime bien, préférence. Ouais, le changement, c'est bon. Ouais, pas aussi, ah. Ouais. Ah bah oui, là. Ouais. Ah, je me... Grave, je commence à fatiguer, on sent que c'est la fin de journée, là. Je commence bah, un peu... J'ai marqué zéro. Mais ça va, je suis à coup, ça va. Franchement, j'en ferai pas autant. Ah, mais moi, j'adore, moi. Ah, mais non, mais c'est bien, c'est bien. Ah, bah, on ça ouais, j'adore ça, moi, je m'amuse de ouf. Ah, attention. Je devrais faire commentateur sportif. Mais non, on avait créé un sketch avec un pote justement sur les commentateurs sportifs. Ouais. En fait, le sketch, c'est, ça parle de politique. T'as l'équipe de gauche contre l'équipe de droite. Ouais, ça doit être sympa aussi. C'est ça. Ah ouais. Mais alors, moi, je suis tout seul, mais il y a mon pote Rivus à côté. Là, ah, t'as les larmes. Là, t'es tout. Les imitations, les vannes, les trucs. Non, mais c'est bien parce qu'en plus, ça change un peu parce que tu te dis que les mecs, ils sont en e-sport et puis. Non, puis t'as tellement un climat morose en ce moment, il faut bien rigoler. Ah oui, c'est primordial. Ah bah moi, bon, oui. Ouais. Attention, là. Il ne reste que ça. C'est ce qui sauve. Le nouveau tout prix, il ne reste que ça. Ouais, c'est ce qui sauve. Ah, c'est... Yannick, ça va ? Nickel. Ah, je m'amuse, moi. Non, mais je vois ça, nous aussi, tu nous amuses. Ouais, trop excellent. Ouais, je change rien. Ah, t'inquiète pas. Là, je suis un peu fatigué, là, je manque de sommeil. Ouais, comme je dis, on voit qu'il s'éclate. Mais deuxième mi-temps, je donne tout. Ouais, continue, hein. Franchement, on se régale. Ah, mais le problème. Je disais, qu'est-ce que c'est taré, là ? Mais t'as raison. Mais... On n'est jamais assez taré, attention. T'as raison. Qui c'est cet arrêt, mais bien sûr que oui, tu peux pas me vexer, c'est vrai, je suis un dingue. T'inquiète, t'es pas tout seul. Tu crois ? On est obligé, hein. Bah, la vie est tellement dingue. Hein ? La vie est tellement dingue, si t'es pas dingue avec elle, tu vois. Ah bah, voilà. C'est sûr, hein. En fait, moi, dès qu'il y a moins de rigoler, j'y vais. Dès qu'il y a une brèche, je rentre dans la brèche. Quand je présente le match, tu peux dire en 30 secondes, il va pas. Ah ouais. Encore, je dis comme je me suis, je suis tout seul, parce que j'ai mon pote de scène. On prend le micro carrément. Allez, les coachs, allez, les gars, dehors, putain. Une fois, on a fait un match comme ça, on a fait un tournoi avec mon pote Iris. C'était un tournoi de basket handisport. Les coachs, ils m'ont dit, les gars, doucement, parce que les joueurs, ils rigolent trop, ils sont pas concentrés. Ah, pardon. Des vannes. Mais moi, j'étais éducateur sportif pendant 10 ans au foot avec les petits. Carrément, je faisais des imitations, j'étais pas sérieux. Mais les parents, enfin les joueurs, ils adoraient. Hein. Les parents, un petit peu moins, des fois, la mère, c'est pas être sérieux. Mais moi, je. C'est du théâtre, il a bien son rôle, je pense. Ben non, mais. Ouais, il a tout dit, la vie, je peux dire, comme quiconque, quand je me vois tout le temps, tu vas au boulot, ça fait chier, mais putain, mais que je peux se dire des vannes, ça va être sans méchanceté, rigoler. Ah ouais. Moi, tu sais, le taf que je fais. En fait, moi, j'arrive pas à faire un boulot si je m'amuse pas. Je te jure, je mets l'amusement au-dessus de l'oseille. Des fois, je gagne de l'argent, des fois, je gagne pas beaucoup. Hein. J'ai fait tellement des boulots chers avec des ambiances de merde que j'ai craqué. En fait. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc où je m'éclate. Et même quand je faisais des boulots un peu difficiles, je m'arrangeais pour mettre une putain d'ambiance. Et des fois, moi, j'ai des potes qui travaillent dans des postes prestigieux, en Paris notamment, à la Défense, ils prennent des salaires à 5 chiffres. Hein. Ils me disent, Amir, j'en ai marre. J'ai dit, t'es sérieux, tu prends ça à 5 chiffres, t'as vu les gens comment ils galèrent, mes amis, j'en peux plus. Que des échecs, que des traites, que des hypocrites. J'en ai marre, je pète un pont, je fais 15 heures par jour. Ah, c'est vrai, j'ai un beau salaire et tout, mais je suis pas haut dans mon taf. Et c'est ça en fait. J'ai le bonheur, hein, c'est ça. Ouais. Moi j'ai bossé dans des entreprises, tu sais, une société de laverie là, tu sais, un relais là, tu vois. En fait, on nettoyait les plateaux, c'était gravant, ça puait, il faisait chaud, il y avait tellement une ambiance de malade. Tellement rigolé, c'était une mission d'intérim, je suis resté peut-être 3 mois, je crois. Mais c'était dur, hein. Mais tellement rigolé, ah ouais, j'étais content. C'est... En fait, ah non, mais je dis tout le temps aux gens. Ah oui. L'autre fois, j'ai eu des clients chez vous. Oui. Ma femme, elle, je lui disais, on peut parler de mon chef, elle parlait, alors à un moment, elle est dit, s'il te plaît, derrière. Non, je fais, je suis où. Je lui dis, quand je fais ça, j'ai un micro, je lui dis, vous m'entendez pas. Ah, je lui dis, non, j'entends pas. Et j'entendais pas ce qu'elle me demandait, mais elle me dit, vous n'entendez pas, je lui répondais, j'ai dit, j'entends même. Et au bout d'un moment, elle a compris qu'elle me demandait pas, est-ce que vous pourriez si vous voulez. Voilà. Ah ouais. Et à un moment, je lui ai dit, et elle me dit, s'il vous plaît, elle a compris. Voilà. Et je lui ai dit, ah merci, quand elle m'a dit, s'il vous plaît. Sûr. Je sais pas ce qu'elle me dit, et je lui ai dit, mais madame, elle a pris la gueule, parce qu'elle a vu que je suis pas trop méchant. Ouais, mais t'as compris. Et à un moment, je lui ai dit, vous savez, madame, moi, ce qu'ils m'ont fait dans la vie, les malheurs, ils arrivent à tout le monde. Mais dans la vie, quand on a le soleil dans la vie, quand
on se lève le matin quand on a le soleil et le sourire des gens, la vie pour moi elle est tout de suite mieux. On voit un peu de gaieté, toi, le sourire des gens, même si elle est douloureuse. Elle me dit, ah vous avez bien raison, je ne sais pas trop quoi, ce qu'elle me dit pour le soleil. Je dis, ouais mais le soleil on ne choisit pas, il vient quand il veut. Le sourire à peu près, on peut se lever un peu, pratiquement le sourire. Et toi, les gens qui font la gueule tous les jours, c'est bon, ça me saoule, je peux pas. Et bon, ah non, moi, c'est... On est bien passé pour le savoir. C'est... Au-dessus de tout, la rigolade. Au-dessus de tout. Ça ne fait pas des sérieux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais... Il faut que je vais être sûr. C'est une belle sœur. Après tu relativises tout seul, je te jure. T'as vu, tu vas le mettre au fond de la boîte, ça calme. Bon courage. Merci. Alors, reprise de la deuxième mi-temps. Donc, avec l'équipe de Vaucresso qui mène à zéro. L'entrée de Maxou, le jeune joueur du centre de formation de Torino, qui a tout approuvé ce soir devant Sonic pour son équipe. Ah, Fadaouz. Attention à Baud, attention. Et oui, Baptiste qui est là. Baud, interception. Oh, là la bâtisse que je préfère. Baud qui est là. Ah, il faut que... Henrique, la tentative de fat de corde d'Emeric, le numéro 7 de Vaucresson, qui a tenté une fat assez difficile contre le vieux briscard Tarzan, dit le Higuita de Bourg-en-Bresse. Le coup franc de Baptiste, attention. Il peut marquer direct. Attention, Baud qui récupère la balle. Bien joué, Baptiste. Attention, Émeric. On n'est pas titiller Baud, attention. Maxou, attention au placement, petit Maxou, attention. Un peu de haut jeu. Voilà. Ouh, yo, Baptiste. Baptiste, c'est extrêmement bien placé. Bah oui, Baud qui est à oui, mon petit Émeric. Bravo. Bravo Baptiste, alors Baptiste qui ne se laisse pas faire, Baptiste qui est malin. Là, si vous regardez le match entre Baud et Baptiste, qui nous rappelle le duel entre Zico et Michel Platini en 1986. Alors, et oui, attention à Gianluigi Russo, le gardien de Vaucresso, qui est extrêmement malin. Toujours bien placé dans les bons coups. Alors regarde le jeu les blancs. Baptiste aussi qui peut relancer tout de suite. Baptiste. Attention à. Regarde le jeu. Hop. Avec Fadaouz qui tente de dribbler Yo, mais Yo qui est bien placé, hein, qui se laisse pas faire le sublime numéro 3 de Bagé. Avec pas mal de sponsors derrière. La passe. Et oui, attention. Interception, attention. Et oui, bravo à Fadaouz. Fadaouz qui arrive au milieu de terrain, qui se prend par Baud qui arrive sur le côté gauche. Bravo. Bravo à. Bien joué, et oui. Encore Yo, voilà, c'est la. Bravo. Allez Yo, allez pour nous, c'est bien joué ça les blancs. Allez, on continue. Allez, remise en jeu pour Bagé. Bagé qui. Baud qui sort, le ballon qui sort directement en civette. D'ailleurs, avec vous pouvez observer derrière vous les pop-pom girls de Bourg-en-Bresse qui répètent leur numéro,
qui vont s'envoler la semaine prochaine pour New York afin de, d'animer la mi-temps des New York Knicks et des Cleveland Cavaliers. Hein, tout de suite, on reprend donc votre son avec la lutte féroce entre Baudet et Fardaus. On se retrouve avec Maxou qui était contre le centre. Le problème du jeune. La frappe du jeune joueur du centre de formation de Torino, de frappe superbe. Regardez, qui a failli surprendre Gianluigi Russo. Et oui, Maxou qui s'est fait oublier dans son passant. Yo, qui peut tirer le corner directement. Non, il prend pas de risque. Baud qui demande le ballon en embuscade. Eh oui, Baud, eh oui. Le jeu était trop téléphoné. Allô, docteur, est-ce que vous êtes là? Baptiste, oui, Baptiste qui repart. Et oh là 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 là. L'obstruction de Baptiste. La balle est sortie. Vieux briscard. Qu'est-ce Baptiste Baud qui est un peu trop sollicité quand même sur ce match. Il faut quand même lui prêter la faute. Oh, oula, attention, faute de Baptiste qui a tenté la faute. Alors vraiment, c'est un match dans le match. Hein. Baptiste et Baud. C'est Olivier Atom, Mark Landers, c'est Messi, Ronaldo, c'est tout ce qu'on veut, c'est beau. Attention à l'avancée de Gianluigi Russo qui arrive au milieu de terrain. Et qui peut se faire avoir sur un contre, il faut être attentif. Baptiste qui est là, Baud, embuscade, Emeric qui est juste devant, qui peut reprendre le ballon. Attention à la combinaison, travail à l'entraînement, ils sont très forts. Hop. Et oui, déviation de Fardaus. Fardaus qui arrive, Fardaus qui est devant Baud. Fardaus. Baud, bien joué. Ah, Fardaus. Oh là 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 là. Baud qui donne le tourner à Fardaus, et oui. Un très grand dribbleur, le Francesco Totti de Bourabra. Oh, attention. Ah là 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 là, il va arriver devant la défense. Il peut marquer tout seul, Baud. Attention à Baud, attention. Attention à Baud. Et oui, il est fatigué. Il faut l'aider quand même, attention. Et Fardaus qui ne lâche pas d'une semelle. Bien joué, ah. Attention, que dit l'arbitre? Attention, ah là là, il a failli marquer. Baud, qui est un joueur absolument exceptionnel. Baptiste qui soit avec l'arbitre. Ils sont par la mi-temps. Oh, alors le geste technique qu'attendait Fardaus est absolument exceptionnel. Est-ce qu'elle l'a fait exprès? On ne sait pas. On verra tout à l'heure les images au ralenti. Ah, attention, Baud qui remplace sa défense. Maxou qui s'arrête très près par Emeric à la coupe. J'ai le Viveldop qui a signé un contrat avec la marque française de plus de 1 million de tout. On censure car ce contrat est mis au bord. Attention, Fardaus qui arrive devant Baud. Baud, Baud, attention à ne pas se faire prendre au dribble de la jeune attaquante brésilienne qui a été formée au Saulo. Ah là là, plus de batterie. Alors, visiblement, la batterie est de marque chinoise. Ah, alors, on va faire un test. Attention, attention. Qu'est-ce se passe-t-il? Les indications du coach à Fardaus. Alors, la batterie, c'est bon. Un test. Allez, retour. C'est bon, Baud est bien sur ses appuis. Attention à bien vérifier son matériel, là, les hommes de Bagé. Ah, on se souvient de l'attaquant de Southampton qui a calé à un moment donné et qui s'est retrouvé face au gardien. C'était dur. Allez. Bravo. Eh oui. C'est un mano à mano. Sans merci, sans pitié que se livrent les hommes. Ouh là là. La bite qui a failli. Oh non. Ah, Emeric. Emeric, quel geste technique de toute beauté d'Emeric. Le joueur à la coupe Viveldop qui vient d'avoir signé un contrat avec Adidas tout de suite. Et le sponsor Nike n'est pas du tout de cet avis. Avec un effet reverse absolument sublime. Même l'arbitre en a les larmes aux yeux tout de suite. La Baud qui... Eh oui. Emeric. Eh oui, Baud qui a trop donné. Bien sûr. Joueur généreux. Attention, accélération. Demande de... Fardaus, Maxou qui était pas en difficulté, qui a fait en marche arrière, c'était un peu... Oh là là, la tentative est super bonne après la main. De Baptiste qui continue. Baptiste, ah là, ça y est, il pousse dans le jeu. Ah, ça y est, il commence. Attention, conservation de balle. Attention quand il fait ça. Attention à ça, attention. Ce sont des spécialistes du jeu à une touche de balle. Emeric, Baptiste et Fardaus,
qu'ils ont répété leur gamme. Hein, donc en octobre du côté de la Catalogne, où même Luis Suarez était ému par tant de technique. Alors attention. Ah oui, bravo. Bravo. Eh oui, yo, yo, faut se réveiller. Oh, c'est cette du gagnant de Vaucresson qui sort de son camp. Et qui fait une sortie complètement folle, qui sort de ses cages. Alors le coach de Vaucresson garde son calme, mais on n'a jamais vu ça. Il sort, il arrive là au milieu de terrain. Eh hey, Maxoué, eh oui, en plus par Emric, Hassel, bravo, eh oui, Baptiste qui va au gras, allez le petit Maxou, hop, eh oui, Bout qui est là, va jouer, touche de balle, Bout, à la talonnade, pour Yo, super bonne technique du petit Maxou, c'est bien, il n'a pas peur, regardez, Baptiste qui est là, qui se fait suivre par Yo, qui le déborde, oh, attention, troisième but. Ah là, attention, tu peux t'arriver, attention attention pour Fadaous, attention Bout qui est malmené, il faut l'aider. Attention, là c'est Vaucresson qui met le pied sur le ballon. Bagé doit absolument réduire la marque parce que c'est dur quand même. Et là c'est dur, hein. Le public qui est silencieux, qui a le souffle coupé, mais en même temps les joueurs de Vaucresson se sont entraînés corps et âme pour ce tournoi. Prestigieux quand même de bon Grand Prix, il faut le signaler. Alors, attention. Alors, on doit régler un petit peu le siège de Baptiste. Dans son fauteuil qui a pris cher quand même, qui était là à tous les affrontements. Théâtre des luttes sans merci que ce livre, le numéro 6, c'est Ebaud. Superbe joueur. Élégant, racé, athlétique. Attends. Oh, oulala, la faute, il est malin. Il arrive devant Bout qui coupe la trajectoire, le pressing, il l'empêche de relancer directement car encore lui, la relance pleine de technique de Bout. Attention, c'est Tarzan qui sort de la charge et qui va envoyer un tir par. Heureusement qu'il se met extrémiste par Bout qui a mis la trajectoire de la balle. Et ce n'est pas la première fois que Vaucresson fait une action digne du Brésil de 1982. Avec Socrates, Docteur Socrates, le grand frère de Rai. Paix à son âme, Docteur Socrates, et oui, qui était docteur et footballeur. Quand je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de foot ne savent pas aligner un mot français, c'est quand même terrible. Fadaous qui est complètement perdu. Yo. Attention. Maxou qui doit se concentrer, que se passe-t-il? Attention, Tarzan qui vient prêter main forte à Bout. En même temps, un Poupoule qui va peut-être retourner sur le terrain. Attention pour faire la différence. Et voilà. Et oui, sortie de Bout. Superbe joueur qu'est ce Bout qui sort. Ah, malheureusement, c'est ça, il a beaucoup trop donné. Il a été généreux, quel joueur. Bravo. Le retour de Poupou, là, donc il a été secoué par son agent Mino Raiola. Il a quand même signé à Manchester City et là on hésite un peu. Alors. Bravo. Attention à Maxou qui est devant Ibrick. Yo qui prend. Voilà. Le terrain est bien couvert. Attention à Poupou, bravo, c'est bien. Et oui, espérons que Poupou est encore chaud. Sortie de Tarzan. Attention, ces passes-là, ils sont extrêmement dangereux, Vaucresson. Quand il faut tourner la balle comme ça, les adversaires ont vite le tournis. Ah oui, on a connu des joueurs qui sont sortis en vomissant. Hein. Quand il faut tourner la balle comme ça, c'est dur. Hein. Ils sont assez, je dirais même plus, insupportables quand ils le font. Attention, Yo qui essaie de perturber les relances de Baptiste. On le sait, chambreur. On le sait, truqueur. Attention au coup franc direct. Oula, de Baptiste. Oh, oula, fat. Il est malin. Une fin, deux fins, attention. Ah, il change de bug. Oh là là, c'est de toute beauté. Ils sont très très bons là-dessus. Emery qui marque son deuxième but, qui est content et qui garde ce maillot. Il ne veut pas montrer sa musculature d'athlète aux autres adversaires pour ne pas leur foutre la rage. Et c'est beau et c'est tout à son honneur. Et oui, Vaucresson, donc trois matchs, troisième victoire peut-être qui s'annonce. Ils sont impitoyables. Attention, Poupou qui se lâche. Oh, Baptiste. Allez, balle.
Baptiste, on a l'accélère encore de Baptiste. C'est un de très près de Maxou. Le petit Maxou qui joue son matou. Allez, mon petit. Il faut se faire respecter ce temps. Ah là là, le vieux briscard de Baptiste. Ouf. Bien joué. Allez, blanc. Allez, les blancs. Allez, Maxou. Allez, Poupou. Allez. Hein. Ah. Eh oui, mais en même temps, votre son qui s'entraîne quand même une fois par semaine avec la Juventus de Turin. Donc forcément, ça crée une petite différence. Et yo, voilà, bravo. Bravo à Baptiste. Baptiste qui est... Oh là là, Baptiste, quelle technique. Il est simple, il est fluide, il est en confiance. Voilà, il faut attaquer Yo parce que si on le laisse trop d'espace, ça peut faire mal. La technique de Baptiste. Ah oui, ça y est. Ah oui, bah voilà, bah oui. Ah voilà, ah là là. Ah là là. Allez, allez, allez. Ah oui, ah là 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 là. C'est bien, c'est bien. Aïe, 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 aïe. Poupoul qui a joué son batou. Eh oui, Poupoul, eh oui. Un joueur qui est généreux, mais à un moment donné... A trop donné. Fandaous qui est pas mal, qui est dans son match, qui est concentré. Baptiste, regardez Baptiste. Un joueur d'une élégance rare. Regardez ce joueur. Souple, technique. Gianluigi Russo qui est là. Qui en place aussi. Fandaous. Le duel le Poupou-Lémeric aussi. Maxou qui est tout seul là-bas, qui attend la balle. Attention. C'est parti. Passe directement sur Maxou. Bien, Pio. Allez. Bravo. Allez. Ah, Poupou, bravo. Ah, eh oui, eh oui, oui, eh oui, l'équipe de Belgique qui commence à gagner du terrain. Le coup franc va être joué par le petit Maxou. Il peut tirer directement. C'est un joueur prometteur, c'est un joueur qui a plein de talent, le petit Maxou. Oh, la passe, c'est bien. La belle combinaison. Allez, ah, le gardien de Gianluigi Russo. Oh, oui, ils sont malades, ils sont malades. Ils se défendent bien. Dommage pour l'équipe de Bagé. Ils se bossent sur tous les secteurs, votre saut défensivement. Oui, oui, Popo, oui. Et Baptiste. Oh là là, Baptiste. Baptiste, voilà, Maxou qui se bat comme un bon diable. Il y a eu qu'à la buscade. Hop. Pour Baptiste. Hop. Et oui, 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 regardez. Ah ouais, le petit Maxou, tu peux se faire avoir. C'est bien, Max. Attention à votre saut. Attention au quatrième but, et là ça serait synonyme vraiment de désastre pour Bagé, parce que là ça fait beaucoup quand même. Bien joué Popol, bien sûr, mais oui. Alors, attention à Tarzan, c'est bien. Le petit Maxou qui vient prêter main forte à son gardien. Ah là là, ils ont fait l'affaire une deuxième fois, mais c'est pas passé loin, bravo. Eh hey, blanc. Eh hey, Bagé. Allez, un but pour l'honneur, comme le disent les supporters quand même. Hein, qui ont refusé de. On a quand même esquivé la manif des gilets jaunes, c'est pas pour rien. Voilà, parce que nous on veut passer des bons moments et on en passe à un très beau. Avec ce superbe public de Bourg-en-Bresse, un public discipliné, composé de familles et de gens assez beaux et sublimes quand même, il faut le signaler. Nous avons été accueillis comme des princes. Et d'ailleurs, la FIFA qui veut organiser donc la finale de la Champions League justement dans ce terrain quand même. Ah, on demande... 180e minute, comme dit l'arbitre. Attention, Gianluigi Russo. Olé. Bravo. Attention à Jonathan qui part en contre-attaque. Et oui, bravo. Qui donne le ballon à Baptiste. Baptiste, le chavit de l'équipe. Oh là là. Oh là là. À la combinaison. Heureusement que Tarzan est là pour aider les copains. Attention à Tarzan. Attention à la sortie, Tarzan. Ah, et oui, bien sûr. Alors, ah, oula, oula, attention, non, 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 non,
faut qu'il siffle d'abord. Eh oui, Baptiste. Eh oui, Baptiste qui a été trop pressé, qui a voulu lui faire une Ryan Giggs, souvenez-vous, de son coup franc litigieux. Eh oui, et là, balle à l'adversaire, eh oui, Baptiste qui a voulu jouer trop vite, qui a voulu jouer à l'intox, c'est ça. Et parfois, ça. On sait avoir. Bien joué. Yo et Baptiste, le duel. Oh là là. Allez, avantage. Attention, Maxou, attention, Baptiste, c'est bon. Eh oui, c'est bien, les petits, ils ne cessent pas faire. Avec les consignes de Gianluigi Russo. Baptiste qui veut tirer directement. Attention, Jonathan Abuscade. Bravo. Ah, on sent que c'est la fin de journée. Les paupières sont lourdes. Les roues commencent à fatiguer un petit peu. Les arbitres aussi. Attention. Ouh là 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 là, la mésentente entre les deux joueurs. Bravo. Eh oui, Tarzan qui se laisse pas faire. Tarzan, regardez la sortie musclée de Tarzan. Attention, Baptiste. Ouh. Baptiste, oh là là, Baptiste, il nous fait un numéro d'équilibriste qui a tenté de dribbler le gardien Maxou. Bah, attention à Tarzan. Eh oui, Baptiste. Oh là 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 là. Baptiste, une technique vraiment exceptionnelle. Regardez. Mais Tarzan qui ne s'est pas laissé faire par les dribbles de Baptiste. A tout de suite. Alors. Eh oui. Ah. Ah, Poupoule qui tire la gueule, là, qui a la tête des mauvais joueurs. Il sait qu'il n'a pas fait un grand match et pourtant il a fait rêver tant de spectateurs dans sa carrière et là ça peut arriver. Ouh là, superbe passe. Intervention de joueur. Attends, Maxou. Maxou. Attention, oui. Bravo, rien à faire. Rien à faire. Baptiste est vraiment bien placé. Il est sur tous les coups, offensivement, défensivement. Techniquement, tactiquement, c'est du grand art. Voilà, les joueurs de Bagé sont décontenancés. Comment marquer un but à cette équipe? Ah oui. Eh oui, mais oui, mais voilà, mais oui. Parce que Baptiste est foutu. Oh là là, Baptiste, quelle technique. Oh là 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 là, Baptiste fait comme ça, ils sont assez. Oh là 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 là. Ils ont tenté une action de toute beauté. Ils ont failli faire la mise à mort. Et heureusement, le ballon est sorti. Ah là 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 là, les joueurs de Vaucresson sont terribles en contre, des contres dévastateurs. Ils travaillent en entraînement d'arrache-pied pour faire ce genre de combinaison. Car pour marquer un but à Bagé, il faut vraiment sortir. Oh de Pippo Inzaghi. Ah oui, je l'attends. Et oui, quatrième but pour Vaucresson. Et là, c'est vraiment la. C'est dur, là, c'est vraiment la Juventus de Turin qui se présente devant nous. Là, ils sont sans pitié. Et pourtant, et d'ailleurs, on a pu constater la sortie de Baud a fait beaucoup de mal à l'équipe de Bagé, qui est quand même le leader de cette équipe. Et là, voilà d'ailleurs, et oui, allez, c'est fini, bravo. Voilà. Un score sans appel de Vaucresson, malgré une bonne partie de Bagé, mais les joueurs de Vaucresson étaient beaucoup trop bien préparés pour ce match. D'ailleurs, ils vont d'ailleurs tout de suite passer au test antidopage parce que là, c'était beaucoup quand même. Allez. Okay, yes, you do.